Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, reprise des affrontements entre le M23 et les autres groupes armés depuis un certain temps dans plusieurs localités du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez les propos du porte-parole de la force de défense du Burundi sur cette situation dans un communiqué sorti ce jeudi. Et certains des habitants des zones Ngagara et Rubirizi se plaignent des fils électriques non protégés laissés par les agents de la régie des eaux en plein air. Ils disent craindre d'être électrocutés et demandent à la régie des eaux de les protéger. Voici pour les grands titres, tout de suite les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page sécurité. Les affrontements entre le M23 et les autres groupes armés ont repris depuis un certain temps dans plusieurs localités du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans un communiqué sorti ce jeudi par la Force de défense nationale du Burundi, le porte-parole de la FDNB a indiqué que ces groupes armés ont bloqué en date du 21 et 30 octobre 2023, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé du ravitaillement. Colonel Floribert Biyereke fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. Il ajoute que le contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine est obligé de prendre des mesures qui s'imposent. Depuis un certain temps, des affrontements entre le M23 et les autres groupes armés ont repris dans plusieurs localités du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ces combats affectent le vécu quotidien des populations vivant dans les localités touchées et ont des fâcheuses répercussions sur l'exécution du mandat de la force régionale de la communauté est-africaine. En date du 21 octobre 2023, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé le ravitaillement en vivres à Gichanga et à Mweso s'est vu refuser le passage par le M23 qui a bloqué la voie de communication menant à ces deux localités. Le même fait s'est reproduit le 30 octobre 2023 quand un convoi du même contingent qui se dirigeait vers les mêmes positions a été bloqué en cours de route par les mêmes éléments du M23. Le commandement de la force régionale de la communauté est-africaine a été saisi pour résoudre cette question, mais n'a pas pu ramener à la raison le M23. La FDNB fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. Le contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine est obligé de prendre des mesures qui s'imposent. Malgré les déficits cités, la FDNB rappelle au commandement du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine de suivre scrupuleusement les ordres du commandement de la force régionale de la communauté est-africaine. Certains des fonctionnaires de l'État qui sont à la porte d'entrée de la retraite disent avoir bien accueilli le décret du chef de l'État instituant l'équivalent de leur dernier salaire en remplacement de la pension. Ces derniers s'indignent du fait que ce décret présidentiel n'est pas encore mis en application. Ils demandent cependant aux autorités habilitées d'honorer l'engagement du chef de l'État et au président de la République de rappeler à l'ordre. Suivez à ce propos ces professeurs qui vont être retraités bientôt. Les conséquences à cela, c'est qu'on croyait que les retraités vont être soulagés, que les moyens, même si le salaire du fonctionnaire maintenant n'est pas élevé, mais quand même avec pension de retraite équivalent à son dernier traitement, c'était un soulagement. Maintenant,
Il y a des conséquences, il y a même des retraités qui ne savent pas où aller parce que les dispositions ou les lois qui existaient ont été abrogées par ce décret et ils attendent à ce qu'il y ait un autre texte. Mais rien n'est fait jusqu'à maintenant. Donc c'est une désolation. Je crois même que certains où nous pensons qu'il y a des services qui ne travaillent comme il faut. Sinon, on aurait pensé, et certains pensent même qu'il y a un sabotage dedans, parce qu'un décret, normalement, c'est exécutoire quand il est signé. Et même la parole du chef de l'État, c'est comme un décret. Même ce qu'il dit, c'est comme une loi. Le président de la République ne peut pas être partout. Ne pas, il, en fait, il instruit les gens de faire un travail, il faut que ces gens exécutent. On ne va pas demander au président de la République d'aller en fait de passer dans les différents services pour leur montrer comment faire. S'ils ne savent pas comment le faire, donc qu'ils demandent des recyclages ou des formations. Et s'ils sont incapables, s'ils sont incompétents, il faut que la décision soit prise pour en fait les remplacer. C'est très simple. Fédération des syndicats du Burundi, Kosibu, estime que les maigres salaires des employés et les employeurs qui ne font pas affilier leurs employés à la sécurité sociale constituent les principaux défis liés à la sécurité sociale au Burundi. Mélance Akidimana, vice-président de la dite confédération, trouve notamment que la majoration des salaires des employés peut contribuer à la promotion de la sécurité sociale au Burundi. Premièrement, je dirais que les salaires du personnel sont très minimes. De sorte que si le salaire est très minime, c'est-à-dire que la population salariée n'a pas le pouvoir d'achat pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir aussi prévenir l'avenir. À base même de ce salaire minime, il y aura des conséquences. Le jour où il va arriver à la retraite, il aura une pension très maigre, une pension qui ne lui permettra de bien vivre, de pouvoir bien s'alimenter, de pouvoir bien se nourrir, de pouvoir bien se soigner, de pouvoir bien s'habiller. Et non plus, il n'aura pas de possibilité de pouvoir payer les frais scolaires pour s'il a encore des enfants à scolariser. Et je dirais que selon le constat que nous avons fait au niveau de l'INSS, un grand nombre d'entreprises ne déclarent pas les affiliés à l'INSS. Ça veut dire que un grand nombre d'employés ne cotisent pas à l'INSS. Et pour cela, quand il va arriver à la retraite, il n'aura aucune assistance en matière de pension de retraite. C'est-à-dire que la Kosibu ne peut pas être satisfaite par rapport à cette situation qui devrait par contre être relevée parce que la protection sociale, c'est un droit pour tout citoyen. Il ne devrait pas y avoir de familiarité ou de trafic d'influence pour pouvoir cotiser pour un tel employé ou un tel autre employé. Le gouvernement devrait tout faire pour d'abord rehausser les salaires des fonctionnaires. Parce qu'avoir les salaires des fonctionnaires aujourd'hui, il y en a même qui disent qu'ils ne sont pas salariés, qu'ils sont plutôt des volontaires. Parce que le salaire du fonctionnaire aujourd'hui ne leur permet pas de joindre les deux bouts du mois. Donc, le gouvernement devrait rehausser les salaires, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de tout citoyen, pour qu'en fait, il puisse cotiser pour son avenir. Le déplafonnement plutôt des cotisations aux institutions de sécurité sociale, c'est la seule voie proposée par un professeur d'université et expert en droit de la sécurité sociale en vue de bien assister les retraités. Le docteur Frédéric Nemaroussa fait savoir que seul le Burundi n'a pas encore haussé ses cotisations fixées aujourd'hui à 450 000 francs burundais. Cette loi a été promulguée, il ne reste qu'à la mettre
en application. Il revient alors au ministère en charge de la solidarité nationale, à travers évidemment l'Institut national de sécurité sociale et l'Office national des pensions et des risques professionnels pour les fonctionnaires, les magistrats et les agents de l'ordre judiciaire. Et il faut qu'ils se mettent à l'œuvre pour concrétiser la volonté du chef de l'État. Évidemment, ça va demander des sacrifices. Ça va demander des efforts de tout le monde et en priorité du gouvernement. Et nous espérons que le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, ils pourront mettre en œuvre la volonté du chef de l'État très, très rapidement. Cette opinion qui milite en faveur de l'augmentation du plafond des cotisations, qu'en dites-vous? Moi, je suis parmi ceux qui plaident pour le déplafonnement de l'assiette des cotisations. Pour la petite anecdote, c'est moi-même qui ai fixé le plafond à 450 000. Je traduisais une décision qui avait été prise par le conseil d'administration en 2010. La loi dit bien que le plafond doit être réajusté tous les 3 ou 5 ans en fonction du niveau des salaires. Maintenant, nous déplorons que nous sommes en 2023. C'est plus de 13 ans que ce plafond n'a pas bougé. Je pense qu'il est temps que les représentants des travailleurs, ensemble avec les représentants des employeurs, s'associent aux représentants du gouvernement pour déplafonner les contributions aux institutions de sécurité sociale. C'est la meilleure des voies qui va nous conduire à des pensions qui permettent aux retraités de vivre décemment et qui vont traduire la volonté du chef de l'État de garantir une vie honorable aux gens qui ont passé de bons et loyaux services à ce pays. Et si vous regardez dans la sous-région, j'ai eu la chance de travailler dans la sous-région comme secrétaire général de l'East and the Central Africa Social Security Association. Au Burundi, c'est le seul pays qui reste à appliquer les plafonds de cotisation, alors que tous les autres pays ont déjà abandonné cette formule. Il s'observe dans différentes zones de la mairie de Bujumbura des fils électriques de la régie des eaux non protégés, là où la télévision Isanganiro a visité son mercredi matin, comme dans les zones Ngagara au quartier 7. On voit ces fils en plein air. La même situation s'observe sur la route Mena vers la zone Rubiridi, où ces fils risquent de tomber par terre. Certains des habitants de ces localités craignent d'être électrocutés plutôt. Ils demandent aux agents de la régie des eaux de les protéger en couvrant ces fils. Un reportage signé. Ce sont là certains des habitants de la zone Ngagara, quartier Seti, où ils observent les fils électriques qui sont en plein air. Dans ce quartier, par observation, certains de ces fils non isolés passent dans des caniveaux, alors que dans la zone Rubirizi, les poteaux sur lesquels se trouvent ces fils sont à moins d'un mètre de la terre. Et au niveau du transformateur, nous voyons que ces fils électriques ne sont pas aussi isolés. Ces habitants signalent qu'ils ont peur car ces fils peuvent causer des accidents. Sur la route Mena vers la zone Rubirizi, ceux qui y exercent différentes activités disent que des fois il y a des étincelles provenant de ces fils et surtout quand il a plu. Que ce soit pour les habitants de la zone Ngagara ou de la zone Rubirizi, tous demandent à la régie des eaux de tout faire pour protéger ces fils en y mettant de l'isolant, en vue d'éviter les accidents. Au sein de l'administration, le chef de zone Rubirizi, Jean-Marie Nahishakier, demande lui aussi la régie des eaux de tout faire pour protéger ces fils électriques. Les poteaux qui transportent ces fils dans la zone de Rubirizi, certains sont déjà penchés, ce qui montre qu'à tout moment, ils peuvent tomber. C'était un reportage de Jean-Marie Mayonga. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.